Et maintenant, voyons voir un comeback de 2 vies contre 3 ici. Par partage de vie. Cette fois-ci, c'est moi qui ai 2 vies. Mais il y avait quand même du jeu là-dedans. Quand même, j'avais quand même un pourcentage de dégâts quand même assez bas. Fait que, genre, il y avait du jeu là-dedans. Malgré que Luigi avait encore 2 vies, l'autre une vie. Sauf qu'attention, il y a la zone de final smash qu'il faut faire attention. Le joueur de héros a eu de la chance d'avoir un critique sur l'un de ses smash. Mais pour moi, c'est important de survivre longtemps. Si on veut réussir à gagner notre match, parce que là, quand même, mon équipe est très en retard sur le jeu. Ben, il va être très en retard à cause que. Une malchance, le joueur de héros a eu la chance d'avoir son chemin se faire un critique. Et il m'a sous le coup. Au bruit parfait pour moi. Là, je pouvais quasiment pas rien faire pour mon équipe qui était mal pris. À part prendre un risque calculé, mais je pense que j'ai été arrêté dessus pareil, parce que pour moi c'était important de rester là. Je vais laisser mon équipe se sacrifier pour moi. Et d'un coup, que si jamais il meurt encore assez vite, ben, il pourrait essayer de venir m'aider avec un partage de vie pour essayer de faire le rattrapage, pour essayer de bien surprendre. Non, non, il va survivre, ne vous inquiétez pas. Pas assez de dégâts subis. Ah, ben là. Donc, vous voyez, c'est les attaques spéciales qui me tuent tout le temps. Bon ben là, le joueur de Luigi est mort maintenant. Oh oui, viens jouer là-dessus. Je vais faire mon final smash pour le moment. Mon final smash, elle va bientôt s'interrompre. Ben, pas le choix de l'utiliser, même si je sais que... J'avais pas fait accumuler un masse de dégâts à mon adversaire pour le mettre KO. Comme vous voyez, il s'est fait un peu n'importe comment, il a pu survivre facilement. Non. Bien joué là. Attention, là ça va être dangereux. Là, le joueur de Luigi aura là son final match, il faut s'enfuir. Ok, bien. Un travail sur un down B. Oh là c'est fort pareil là, même qu'il a utilisé le contre la saisie. Eh ben coudon. Ça fait de l'effet ça. C'est moi qui allais être saisi pour être éjecté. Et puis avant que l'autre se fasse toucher, ça fait tac. Puis c'est lui qui. Puis moi je suis relâché, puis c'est Luigi qui meurt. Et c'est mon équipé qui a réussi à faire 6 KO, et bien coudon, c'est merveilleux. Bon ben sur ça tout le monde, on se rejoindra pour la suite.